Salut les gourmands, nouvelle recette de tarte aujourd'hui avec un fruit de saison, la poire. On en trouve dans les marchés jusqu'en avril et pour l'accompagner au mieux, on va réaliser une pâte sablée et une crème d'amande. Voici la tarte bourdaloue. On commence la recette par une pâte sablée. On va verser dans un bol 230 g de farine, puis 70 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande et une pincée de sel. On mélange le tout. Puis on va ajouter 140 g de beurre pommade qu'on aura coupé en cubes. Et on va sabler notre préparation en la frottant entre les mains. On va obtenir une sorte de sable. Quand c'est le cas, on ajoute un œuf. Et on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. On va la filmer et la réserver au frais pour une heure. On passe à la crème d'amande et on va commencer par verser dans un bol 75 g de beurre et 75 g de sucre. Puis on va crémer le mélange avec une maryse. Quand c'est homogène, on ajoute un œuf, puis 75 g de poudre d'amande, 10 g de maïzena et on mélange bien. On réserve et on passe à la découpe de nos poires. Il vous faudra 6 demi-poires au sirop, conservez bien le jus, on va l'utiliser tout à l'heure. On va les couper en lamelles et on les réserve. Nous voilà déjà au montage de notre tarte. On commence par fariner le plan de travail et on va abaisser notre pâte sur 3-4 mm d'épaisseur. On l'enroule sur notre rouleau. Puis on va foncer notre cercle à tarte, qu'on aura beurré et placé sur un sile-pâte ou un papier cuisson. Le mien faisait 20 cm de diamètre. On le fait bien adhérer, on retire le surplus avec le rouleau. Et on poche notre crème d'amande. On l'étale bien. On ajoute nos demi-poires. Quelques amandes en filet. Et direction le four pour 30 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, on va napper notre tarte avec le jus des poires. Et voilà, notre bourdaloue est déjà prête. Bonne dégustation! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de gourmandises. Et en attendant la prochaine recette, n'oubliez pas d'être gourmand.